Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDJ de Normandie et nous nous retrouvons pour l'épisode 220? C'est ça? Ah c'est ça, 220. Donc de Bleach Brave Souls. Et donc on retrouve une encyclopédie des Arrancars. Fractionnes. Bon, bah, ça va parler des Fractionnes. Voilà. Bon. Ce sera, comme je vous le dis, là, on est sur la fin de la série, hein, après 220 épisodes quand même. Ça fait beaucoup. Après, il y aura toujours les trois épisodes de la Garde Sanglante que j'ai tourné en 2020 et 2021, il me semble, donc ça date déjà un petit peu. J'ai revu un des épisodes hier et c'est vrai que le son est un petit peu différent du coup, donc vous étonnez pas. Mais voilà. Non, on va prendre cette équipe-là. Et pourquoi je prends les bonus? En vrai, on n'en a pas besoin. Et oui, pareil. Il s'est passé quelque chose. J'ai dépassé le milliard de Kant. Bonne nouvelle. C'était jamais arrivé. À chaque fois, je tombais à 900, 999 millions. Enfin, pas loin, quoi. Mais j'avais jamais atteint le milliard. Et là, je l'ai atteint. Voilà. Encyclopédie des Arrancars. Alors, désolé si vous entendez la clim, mais il fait très chaud. Hein, au moment où je tourne un petit peu en avance. Là, on est fin de l'été, vous savez. On a eu une canicule cette année. En fin d'été. Pas au cours de l'été. On a eu un été désastreux. Et là, on a un pic de chaleur sur la fin de l'été. C'est terrible. Certains d'entre vous se posent des questions sur les Arrancars, cette rubrique leur est destinée. Une fois encore, je vais vous faire découvrir les Arrancars dans une atmosphère détendue et pédagogique. Aujourd'hui, nous allons parler des Fractionnes. Qui sont les Fractionnes? Il s'agit d'Arrancars placés sous les ordres directs des Espadas. Les Espadas peuvent choisir parmi les Arrancars à deux chiffres ceux qui deviendront leurs subordonnés. Par exemple, les Fractionnes de Grimmjow sont ses compagnons depuis l'époque où ils étaient des Adultas. Celles de Halybel sont toutes des femmes. Quant à Barragan, il s'est entouré d'une petite armée de Fractionnes. Le nombre de Fractionnes n'est pas imposé, chaque Espada peut en choisir autant qu'il le souhaite. Aujourd'hui, je vous propose d'observer les Fractionnes dans leur vie quotidienne. Quand elles ne sont pas au combat. C'est une fractionnesse ou un fractionnesse? Parce que quand elles ne sont pas au combat. Bon. Désolé pour la moto qui passe. Ah, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. Ah oui, c'est vrai, lui, ouais. Et fais-le avec moi. Je passe mon tour, merci bien. Je ne vois pas pourquoi je devrais participer à cet exercice barbant. Barbant, tu n'es pas capable de comprendre l'importance de ce rituel. De quoi tu parles? Qu'est-ce qu'il y a de si grandiose à répéter 100 fois un cri de guerre idiot? Qu'est-ce que tu as dit? Eh ben, un petit différent, semble-t-il. Afin que notre rubrique puisse se poursuivre dans le calme, je vais m'interposer. Arrêtez, arrêtez. Alliés qui se disputent, il n'y a rien de plus laid. Ouais. Vous êtes comme moi des fractionnaises de Sa Majesté Barragan, veuillez vous comporter en tant que tel. On dirait que je n'ai pas à intervenir, ils règlent leurs problèmes entre eux, c'est admirable. Si Sa Majesté Barragan vous voyez, quelle honte, mais quelle honte. Alors serrez-vous la main, allez, allez. Ferme-la, tu t'es vu, c'est toi qui devrais avoir honte avec ta dégaine. Quoi, qu'entends-je?
De quoi je devrais avoir honte, hein? Vous n'avez pas les yeux en face des trous, c'est tout. Avec ta tronche, c'est plutôt les tiens qui sont pas au bon endroit. Tu es allé trop loin, étincelle, Reina de Rosas. Ok. Et maintenant, Rosa Blanca. Mais stop à cette technique-là. Eh ben, si je m'attendais à ça. Bref, plus le groupe est nombreux, plus des problèmes risquent d'apparaître. Exacta, tu as raison. Que je ne t'avais pas vu. La prochaine fois, préviens-moi que tu es là, s'il te plaît. Toi aussi, tu faisais partie des fractionnistes de Baragan. Tu devrais essayer de les séparer, non? No es exacto. Ce n'est pas exact. Ce que ceux qui sont à l'origine de cette lamentable affaire, la règle même, c'est mon point de vue. De plus, je ne pense pas qu'il s'arrêterait si je m'interposais. Ah d'accord, si c'est toujours comme ça, ma foi, autant les laisser à leurs affaires. Mince. Passons maintenant au point suivant, la relation entre les fractionnesses et Espada. Comme nous le disions tout à l'heure, les Espada choisissent leur fractionnesse. Par ce processus, leurs relations ou leurs positions respectives peuvent changer. Noitra est un bon exemple. Allons lui rendre une petite visite. Bonjour Maitra, tout va comme tu veux. Je voudrais que tu nous parles de ce qu'était jadis ta relation avec Tesla. As-tu un peu de temps à nous consacrer? Maître Noitra est en plein entraînement. Il est hors de question de le déranger. Oh vraiment, comme c'est dommage. Mais je tenais simplement à discuter du passé avec lui. Tu peux répondre à sa place, Tesla? Avant de devenir une fraction de Noitra, tu ne l'appelais pas maître, je me trompe. Peux-tu nous parler de la façon dont votre relation a évolué? Quoi, encore toi? Tu apprends vite, mais il faut t'expliquer longtemps, c'est ça? Tu tiens tant que ça à ce que je m'occupe de ton cas? Ah, je me doutais un peu que ça se passerait comme ça. Ah, un instant.
Certains Espada ont aussi des fractionnés, ce qui sort de l'ordinaire. Donc c'est dommage, on ne saura pas le passé de Tesla et Neutra, mais peut-être que du coup les rôles étaient un petit peu inversés. Certains Espada ont aussi des fractionnés, ce qui sort de l'ordinaire, par exemple. Waf, on est un chien, donc ouais. Ah, mais j'en peux plus, moi, impossible de faire la sieste avec ce raffut. Yami, fais taire ce chien, tu veux. C'est pas mon problème, la ferme. Stark, fais taire la gamine, tu veux. Ce n'est pas mon problème, tu n'as qu'à lui dire directement. Stark, fais taire ce chien, tu veux. Ce n'est pas mon problème, je te dis. Comme on peut le constater, les fractionnés sont divers et variés. Ouais, mais la relation entre Stark et les Linettes, c'est un peu plus particulier parce que, à l'origine, ils ne formaient qu'un. À l'origine, ils ne formaient qu'un seul Hollow. Stark et les Linettes. Bien, je pense que nous avons à peu près fait le tour du sujet. Slide in. Quoi, comment ça? On parle des fractionnesses et on m'oublie, moi, pêcher Guatitch. Guatitché, ouais, c'est ça, ça se prononce comme ça. Moi, la mascotte des Arrancars, leur symbole, c'est une erreur dramatique que je vais m'empresser de corriger. Au programme aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur ma naissance sans jamais oser le demander. En bonus, vous aurez droit à un reportage spécial en images, les petites habitudes de Donto Chaka et Bawa Bawa. Transperce-le, Shinso. Arrgh. À chaque fois, c'est pareil, tu viens t'incruster dans ma rubrique. Sans parler de ces reportages spéciaux que tu te permets d'ajouter sans permission. Eh ben, aujourd'hui, tu ne sortiras pas comme ça. Au secours. Miséricorde, je ne peux pas relâcher mon attention un instant. Bien, nous voilà arrivés à la conclusion de ce chapitre de l'encyclopédie des Arrancars. La prochaine fois que quelques Arrancars parleront, de quel Arrancar parlerons-nous? Amusez-vous à essayer de le deviner. Sur ce, bye bye. Je rêve, aujourd'hui j'ai pu placer mon message de fin sans être dérangé. D'accord, ok, bah c'était très court. C'était très court, mais on a quelques tirages à faire. Alors, les tirages à l'autrice, c'est toutes faites, donc ça, il n'y a pas de. Il n'y a rien à faire. Par contre, du coup, il y a. Fouf. Il y a quelques tickets à faire, hein. Voilà. Donc on va les faire. Donc là, c'est des 5 étoiles garanties. C'est juste, est-ce qu'on les a déjà eues ou pas? Ok, Grimmjow. Donc, déjà eu. Shishigawara, donc déjà eu. Ine,
Mayuri, ouais. Je me souviens pas de cette version. Et ouais, c'est un nouveau Mayuri. Ça, c'est cool. Ah, alors 6-5 étoiles d'un seul coup. Voyons un petit peu ce qu'on a. Oh, putain, c'est Zangetsu. Ah, c'est... Ok, c'est... Oh. Ouais, voilà, Nemu... Ok, c'est Stark. Mayuri. Aizen. Ah, c'est la version sans Valentin. Ok. Donc il y a Stark, qui est un nouveau 5 étoiles que je n'avais pas avant, cette version de Stark. Tardoni. Oh, et je l'avais pas. Donc ça me fait déjà 3 nouveaux 5 étoiles. Allez, un spécial anniversaire. D'accord, bien couillé. Bon, loterie de 4 et 5 étoiles. Ça, même si on n'a pas les 5 étoiles, ça va servir de feed à... Oh, la version tag team de Rukia. D'ailleurs, en ce moment, je sais pas ce qui se passe sur Internet. On a plein de... Alors, parce que, voilà, ma compagne est sur TikTok. Et sur TikTok, elle n'arrête pas de me montrer qu'il y a le Bankai de Rukia qui est en story chez plein de gens. Donc, est-ce qu'il est en train de sortir? Est-ce que, voilà, est-ce que la suite de la guerre sanglante de Milan va arriver? En tout cas, j'ai très hâte de voir son Bankai en animé. Après, je sais que des fans l'ont fait, quoi, donc... Bon, Mikaku... Bon, ça y est, là, pour haut, les 4 étoiles, on va skipper. Bon, et... Ok, bon, on a que, donc, le tag team, et on a aucun autre 5 étoiles. On va faire un deuxième tirage. On a 3 à faire au total. Ok. Donc que les 4 étoiles. Que des 4 étoiles. Bon. Des loteries de Brave Souls, parfois on arrive à choper des 5 étoiles avec ça. Donc on va faire les deux tirages de poisson. Ah. Ouais, Baragan. Ok, c'est... Onona. Kuraku, voilà. Ok, Oryu. Et aucun de ces personnages était à nouveau, malheureusement. Ok, encore Baragan. Yami. Je
Shinji. Ouais, j'ai pas reconnu la voix de Shinji là. Ok, c'est Kaname. Ok, Kaname, c'est un nouveau 5 étoiles. Je ne l'avais pas avant. Cette version-là. Bon, bah voilà. On va faire les... déjà, je vais faire le plein. Ok. Ok, ça déjà. Hop. Et je vais prendre un max de points d'amitié. Et puis on va faire les tirages. Ok, bon bah au moins c'est vidé. C'est là et c'est là. Bon, bah on fera qu'un seul gros tirage. J'espère récupérer pas mal de grosses potions. Parce que c'est surtout ces potions-là qui m'intéressent. Bon, il n'y a pas énorme, mais les 25 grosses violettes, là, ça m'intéresse parce que c'est pour mon Nonoana. Voilà, après, bon, bah, orange pour mon Ichigo. Enfin, la version Vasto de Lordes de Ichigo. Le rouge, c'est pour... le mec là avec le bouclier et l'épée là, j'ai pas retenu son nom parce qu'il fait partie de la guerre sanglante de Milan et je vous avouerai que j'ai un petit peu de mal à... avec les personnages de avec les oh et les Quincy et le bleu surtout c'est pour mon Urahara qui me sert de à l'entraînement. Bon, bah, c'est tout. Bah, ça aurait été rapide comme, comme épisode. C'est un petit peu dommage. Voilà. Oui, si. Ma liste d'amis, ça tourne régulièrement. Juste, voilà, ça... Pour vous dire que ça tourne régulièrement. Ouais, non, frérot, non. Non, non, non. Hop. C'est juste pour vous dire que voilà, ça tourne régulièrement parce que ben souvent ben, je vire les inactifs régulièrement. Justement pour avoir un maximum de points d'amitié qui me rapportent des potions. Donc ça c'est. Voilà, c'est pas négligé. Mais voilà, y a des joueurs, ça fait plus de 10 jours qu'ils se sont pas connectés. Hop. Surtout les nouveaux, en fait il y a plein de nouveaux qui s'inscrivent, mais en fait qui abandonnent. Ok, bon 6 jours encore, ça va, on verra bien, mais... Hop, et donc du coup, oui, je vais le dire... Voilà, si vous voulez m'envoyer une demande d'amis, n'hésitez pas, hein, régulièrement, il y a des places, hein, là il y a 11 places de disponibles dans ma liste d'amis. Si vous êtes un joueur assidu, que vous jouez tous les jours, comme moi, voilà mon identifiant de joueur, pour pouvoir me retrouver, et sinon mon pseudonyme c'est MDJ du 50, voilà, tout simplement. Si vous voulez, voilà, MDJ du 50, comme ceci, tout en minuscule, et vous me trouverez, si vous voulez, intégrer ma liste d'amis, n'hésitez pas, je même si, voilà, je vais arrêter de tourner, je vais quand même continuer à jouer, tous les jours, parce que, bah, mine de rien, le jeu, ben, bah, je, même si c'est simple, je le kiffe quand même, y jouer, ça fait... 7 ans que j'y joue quotidiennement sans jamais rater un jour, il me semble pas. Peut-être que j'ai dû rater un jour, mais dans l'ensemble, je ne rate jamais une journée. Et voilà quoi.
Bon, je ne vous retiens pas pour les feeds. Je vais faire ça hors caméra. Et puis, ben, sur ce, ben, je vous dis à samedi prochain, soit pour un nouveau chapitre, soit pour la guerre sanglante de Milan. Du coup, la rediffusion donc des 3 épisodes de la guerre sanglante de Milan. Et puis ben, hop, je vous dis à bientôt. Ah, ils sont là, ils nous. Allez, à la semaine prochaine.